Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Au quotidien, les ordinateurs jouent un rôle de plus en plus central. En Europe, la programmation fait désormais partie du programme scolaire d'un nombre croissant d'établissements. Le code est-il en passe de devenir la compétence essentielle du 21e siècle? Gros plan sur trois projets high-tech plébiscités par la jeune génération. À partir de quel âge les enfants peuvent-ils apprendre à coder? Certains jeunes Européens apprennent les bases dès l'école primaire. En France, un projet va plus loin et commence dès la maternelle. Quelle que soit leur forme, leur taille ou leur fonctionnalité, tous les enfants ou presque adorent les robots. L'école maternelle tardive de Saint-Étienne l'a bien compris et initie dès le plus jeune âge ses élèves aux rudiments de la programmation informatique grâce à ce drôle de cube en bois radiocommandé. Développé par Primo, une start-up italienne, ce robot éducatif a été baptisé Cubetto. Je pense que c'est attirant parce qu'ils en voient dans les dessins animés, à la télé, c'est un jouet, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude non plus de manipuler. Donc pour eux, je pense que oui, c'est attractif pour les enfants. On tourne à gauche, tout droit, à gauche, et ici, tout droit. Le robot se déplace en fonction des instructions envoyées par la table de commande, lesquelles sont déterminées par une chaîne de blocs de couleurs insérés par les enfants. But de l'exercice, leur apprendre à écrire leur tout premier programme. À l'issue de la période de test menée sous le parrainage de l'association Fréquence École, les autorités françaises diront si elles souhaitent ou non étendre l'expérience à d'autres établissements. Le code, c'est vraiment une histoire de culture générale pour tous. Parce qu'il y a des ordinateurs partout dans le monde qui nous entourent, que ce soit dans les téléphones, dans les machines à laver et dans les objets connectés qui arrivent à grands pas. Comprendre qu'est-ce qu'un programme et comment une machine est programmée, c'est juste comprendre les choses du monde qui nous entoure. GPS, téléphone portable, aspirateur autonome, la jeune génération grandit dans un environnement hyper connecté, alors autant en profiter. Plus on commence tôt et plus on acquérit des structures, des schémas, on peut formaliser les choses et tout devient, ça s'inscrit dans un déroulement d'apprentissage qui continue au primaire. Un travail de longue haleine mais gratifiant. Invité au dernier salon InnoRobot de Lyon, ces enfants n'en croyaient pas leurs yeux. Nao, Dash, Dot et les autres étaient là à portée de main et ne demandaient qu'à être manipulés. Aujourd'hui, lorsque vous mettez un étudiant devant un robot, les enseignants, à la fin de la journée, sont obligés de mettre les élèves à la porte, leur dire « ça y est, la journée est finie », parce qu'ils ont envie de toujours continuer, toujours travailler avec, faire de nouveaux programmes. Et c'est très intéressant, ça leur permet d'avoir des notions en informatique, en mathématiques. Donc c'est un très bon support pédagogique. Mais le langage informatique d'aujourd'hui ne risque-t-il pas d'être obsolète demain? Les technologies changent, mais l'état d'esprit et la logique est toujours là. Donc l'important aujourd'hui n'est pas apprendre, même au niveau collège, lycée, d'apprendre un langage particulier ou une technologie particulière, mais apprendre la démarche de résolution de problèmes par la programmation. Le monde de la programmation est-il réservé aux hommes? Aujourd'hui, si la plupart des développeurs sont de sexe masculin, divers projets tentent d'inverser la tendance et de combler le fossé technologique entre les hommes et les femmes, comme ici en Hongrie. Bienvenue à Szeglom, à 200 km au sud-est de la capitale hongroise, une ville plus connue pour ses verts pâturages que pour ses installations high-tech. C'est ici que vit Sonia, 13 ans, férue d'ordinateur et d'informatique, une passion jugée hors norme pour une jeune fille. Les garçons ont dit que j'étais bizarre de me lancer là-dedans, et les filles. En fait, tout le monde dit que je suis intelligente, mais les garçons ont eu du mal à se faire à l'idée que je voulais faire de la programmation. Pour étancher sa soif d'apprendre, la mère de Sonia la conduit deux fois par semaine à Budapest. Et tant pis pour les kilomètres, c'est de l'avenir de sa fille dont il s'agit.
Je pense qu'elle pourra vivre de la programmation. Cela lui donnera aussi beaucoup de liberté. Sonia n'a pas envie de travailler dans la musique ou le sport, qu'elle gardera comme passe-temps, mais dans le secteur des technologies de l'information. Mais qu'est-ce qui lui plaît autant dans la programmation informatique ? C'est génial de créer des choses juste en tapant des lignes de code incompréhensibles pour la plupart des gens. Vous tapez et quelque chose finit par sortir de ce chaos. Sonia étudie la programmation dans un groupe qui dépend de Coding Girls, une initiative lancée par la société technologique Prezi, des cours en plein essor réservés aux jeunes filles dans lesquels a décidé de s'impliquer l'association School. À l'heure actuelle, le secteur des technologies de l'information est largement dominé par les hommes. Les femmes y sont sous-représentées. Et cela pose problème pour différentes raisons. Par exemple, ce serait bien qu'il y ait plus de femmes dans les nouvelles technologies. Car plus un lieu de travail est mixte, et mieux c'est. En ce moment, Sonia se familiarise avec Processing, un logiciel dédié à la programmation créative. Tout le monde peut apprendre à coder, c'est notre credo. Tout le monde peut y arriver. Sera-t-on un jour capable d'activer notre concentration en appuyant sur un bouton ou de connecter deux corps sur deux continents différents ? À en croire certains scientifiques, le piratage cérébral n'appartient plus au domaine de la science-fiction. Notre équipe fait le point aux Pays-Bas et au Canada. Hack the Brain, c'est le rendez-vous des mordus de neurosciences organisé simultanément à Amsterdam et à Montréal. Pendant trois jours, artistes, développeurs, designers, chercheurs et nerds, Phosphore, à l'image de ce groupe, occupé à décoder et à traduire en couleur l'état d'esprit de l'un des leurs. Vous vous allongez sur un lit et vous commencez par respirer lentement, consciemment. Et la lumière dans la pièce va passer de l'orange au vert, au bleu, au violet. Puis vous allez vous endormir parce que vous avez réussi à contrôler vos ondes cérébrales et à les relaxer. La pose d'électrode permet de connecter le cerveau à l'ordinateur afin de calculer l'intensité des ondes produites. À l'époque de Rembrandt, on explorait le corps humain, les rouages mécaniques de nos membres. Aujourd'hui, on explore le cerveau. Évidemment, le cerveau humain est différent d'un ordinateur, mais maintenant, on utilise des ordinateurs et tout un tas de technologies pour en percer les secrets. Le défi, quand on relevait cet autre groupe, réussir à lire les émotions. Cette bulle est physiquement très stimulante pour les gens. Vous pénétrez à l'intérieur et il y a deux trous. D'une certaine façon, vous laissez un peu de votre aspect humain à l'extérieur parce que vous devez être très concentré. C'est une approche plus poétique peut-être. Il s'agit de surprendre le cerveau de la personne volontaire, de vraiment faire en sorte de casser sa routine cérébrale. Au même moment, à Montréal, Yannick et son équipe tentent de connecter un cerveau canadien à un bras néerlandais. Quand j'aurai fermé les yeux et que je serai détendu, mon cerveau va entrer en activité et envoyer des stimulations musculaires. Et puis mon bras va se lever tout seul. Tout à l'heure, on va tenter de faire ça sur quelqu'un à Amsterdam. Tout le monde est prêt pour la connexion intercontinentale. Objectif, faire bouger le bras de quelqu'un se trouvant à Amsterdam en envoyant des signaux à partir du cerveau d'un des participants de Montréal, relié à un ordinateur et via des électrodes placées sur des muscles. C'est loin d'être simple, mais les applications seraient nombreuses. Par exemple, en sport ou en chirurgie, vous pouvez apprendre les gestes en programmant votre corps à partir du cerveau de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un peint très bien,
Pour apprendre sa technique, il vous suffit de connecter votre corps à son cerveau et vous apprendrez comment manier le pinceau. Selon vous, devrait-on apprendre la programmation informatique à l'école et si oui, à partir de quel âge? N'hésitez pas à poster vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux et à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.